Tout le monde a une vocation, tu as une vocation, nous avons tous une vocation. D'abord, par notre baptême. Parce que quand on a été baptisé, on a reçu de Dieu cette grande grâce d'avoir à l'intérieur de nous un projet, un but. Le but de devenir des saints un jour. C'est-à-dire de rejoindre Dieu, de vivre avec Dieu et un jour de le rejoindre pour l'éternité. Nous sommes tous appelés en tant que baptisés et c'est notre ADN spirituel, un programme intérieur spirituel pour avoir cette vie de relation et d'intimité avec Dieu. Mais pour arriver à cette grande vocation, eh bien, il y a plusieurs chemins, plusieurs autres vocations. D'abord, une vocation universelle qui est la vocation au mariage. Effectivement, tout le monde est appelé à pouvoir fonder une famille, se marier et participer à l'œuvre de Dieu. Dans le mariage, on s'oublie soi-même et on se donne à l'autre totalement. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, on va atteindre la sainteté et en participant au projet de Dieu, en étant procréateur, participer à sa création. Et puis, le mot vocation veut dire appeler, vocare en latin. Et les vocations, il y en a des particulières. Vocation à devenir prêtre, religieux, religieuse, la vie consacrée. C'est-à-dire être retiré, être choisi par Dieu pour une mission particulière. Alors la vocation de prêtre, par exemple, eh bien, c'est une vocation de service. Dieu nous retire du monde habituel, d'une vocation normale, pour nous mettre au service du peuple de Dieu. Voilà, donner les sacrements et s'occuper de la sanctification des fidèles. Et puis, il y a les vocations de moines, de moniales, de consacrés, qui, eux, suivent le Christ, pauvres, chastes et obéissants. Et c'est la manière qu'ils ont de se sanctifier. Alors, voilà ces différentes sortes de vocations. Et pour bien les discerner, pour bien les identifier, eh bien, il faut se mettre à l'écoute. À l'écoute de soi-même, savoir eh bien, ce qui nous attire, ce qui nous rend joyeux, rend heureux. Et puis, certainement à l'écoute de la parole de Dieu, parce que Dieu nous parle à travers la Bible, c'est certain. Et puis aussi, il faut se faire accompagner. On a tous besoin d'être guidés sur le chemin par des gens qui sont un peu plus anciens, un peu plus avancés. Alors voilà, si tu ressens cette vocation, peut-être plus spécifique pour le devenir prêtre ou religieux, religieuse, consacré, eh bien, adresse-toi à un autre prêtre, à un autre religieux ou à ta paroisse ou à ta communauté. Et petit à petit, il ne faut pas paniquer parce que c'est certainement que les prémices, mais petit à petit, eh bien, chemin faisant, le Seigneur éclairera cette vocation en toi.